et sa tête que je l'éclore. Tragédienne 3, c'est donc le volume 3 d'une série consacrée à la tragédie lyrique française et en particulier à ses héroïnes tragiques. Cette fois, on part de Gluck et on va donc à la fin du 19e siècle avec Saint-Saëns, Massenet. J'aborde ce troisième volume avec beaucoup de plaisir. On est très contents tous, je crois, d'attaquer ce troisième volume de Tragédienne. Quand on a commencé cette aventure, on ne s'imaginait pas du tout qu'on aurait deux autres volumes derrière, et c'est vraiment un grand plaisir. Et je pense que tout le monde est un peu effrayé et en même temps ravi de toucher à ce répertoire beaucoup plus tardif, et ça fait beaucoup de bien à tout le monde, je crois. Et tout d'un coup, on se met à jouer, à chanter, et tout le monde se porte, et c'est vraiment un grand plaisir. Vraiment, je les sens avec moi, et ça, c'est très, très précieux. Donc, c'est un programme qui est
une espèce de voyage. Et pour ce voyage, on s'est fait aider beaucoup par la fondation Bruzzane à Venise, qui est la fondation spécialiste du répertoire français romantique, qui nous a mis un petit peu sur la piste de gens comme Kreutzer, comme Auguste Mermet, qui sont pour beaucoup de gens, et nous en particulier, complètement inconnus et oubliés. C'est un véritable challenge de faire ce programme, encore une fois parce que l'orchestre et Christophe et moi, on n'est pas très très familiers avec ce répertoire, en tout cas moins qu'avec du baroque, et en même temps un grand plaisir de découvrir des choses en plus qui sont absolument inédites, qui ont été très peu enregistrées. C'est une grande responsabilité et en même temps c'est un vrai plaisir de jouer des choses qui sont pratiquement jamais jouées. J'ai promis à Posa de veiller sur sa vie.
Encore.